Journal d'équipe. Bonjour Mamad Ali. Vous avez annoncé votre retraite. Et voulez-vous vraiment partir et rester sur une défaite? La cinquième de votre carrière? Écoutez, j'ai combattu 61 fois. J'ai remporté 56 combats. J'ai gagné les Jeux Olympiques de Rome. J'ai eu 2 fois le Golden Glove. Et pour finir, je suis triple champion du monde. Je me fiche de finir en beauté ou pas. J'ai déjà acquis tellement de choses. Journal Le Figaro, bonjour. D'ailleurs, pourquoi avez-vous jeté votre médaille d'or dans l'Ohio River? Cette médaille a fait un scandale. Je l'ai jetée car on m'a refusé l'entrée dans un restaurant blanc. C'était dans un élan de colère. Je le regrette maintenant car c'était ma première médaille d'or. Journal Le Monde, regrettez-vous de ne pas avoir participé à la guerre du Vietnam? Ça non, j'en suis très fier. Certes, je n'ai plus pu jouer pendant 4 ans et on a aussi dépossédé de mon titre mondial, mais ça en valait le coup. Mohamed Ali, êtes-vous content de votre changement de nom? Bien sûr que j'en suis fier, sinon je ne l'aurais pas fait. Cassius Clem allait très bien, mais quand j'ai rejoint l'islam en 1965, j'ai voulu changer de nom. C'est vrai que j'aurais pu le faire plus tard, car à 26 ans, je n'étais pas sûr d'approuver le nom de Mohamed Ali. Plus tard, mais maintenant, j'en suis très fier, alors c'est parfait. Vous êtes né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky. Êtes-vous retourné à Louisville depuis votre reconversion dans l'islam à 22 ans? Oui, bien sûr, j'y suis déjà retourné, car j'ai de la famille là-bas. Mais mes parents y sont toujours, car ils ne veulent pas partir à cause du racisme et des discriminations. Journal Le Figaro, vous nous avez dit dans une précédente interview que pour vous, vous incarniez la valeur olympique de l'excellence. Mais pourquoi cette valeur en particulier? Pour moi, j'incarne la valeur de l'excellence car j'ai un énorme palmarès et de nombreuses médailles. J'ai fait plusieurs compétitions, donc pour moi, j'ai tout donné. C'est pour cela que j'incarne pour moi l'excellence. Mohamed Ali, que pensez-vous faire pendant votre retraite? Je pense que je vais faire des œuvres caritatives et un peu de politique.